Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Argus Phoenix et on se retrouve pour ce 67e épisode de Tales of Berseria. Donc, depuis l'épisode précédent, j'espère que vous allez bien, puisque nous venons de quitter Dharma. À la fin de l'épisode, l'épisode précédent, plutôt, nous avons affronté. Enfin. Continuer le combat contre Melchior et nous avons Unigo non Ichigo numéro 1 plutôt puisque ce dernier était avec avec Melchior mais Zavid l'a expulsé vu qu'on l'a retrouvé en chemin, enfin où il nous a sauvé d'un sacré pétrin. Donc, bon, maintenant numéro 1 s'appelle Silva. Donc, là, il nous a dit de. On va direction l'étoile, le bord de la map, hein, vu que c'est l'île maudite, un donjon optionnel de Zestiria, je le rappelle. Et donc, c'est un lieu où. Peut-être on va croiser le. Je me dis, on va peut-être croiser le fameux boss. Optionnel après avoir fait tous les calices. Donc c'est parti. Je pense qu'on y coûte directement. Hein. On va pas trop faire de leveling. よく鬼ごっこをしたよね。逃がさないよ、お姉ちゃん。この主。いや、怖い。いや。やめて。この子がドラゴンに。そうするつもりでテレサから取り上げたんだ。 それも鎮静に必要な犠牲なんだよ。カノヌシ、てめえ。専門のカノヌシ、拷問のドラゴン、死神より立ちが悪いな。絶望するにはちょうどいいでしょ。 勝手に決めるな。あんたのお姉ちゃんはこの程度じゃ折れないのよ。抵抗すると苦しむことになるよ。ベルベット、こいつのお仕置きは俺にやらせる。無理だよ。ただの精霊には。ただのじゃん。 イエス野郎のぶち切れた限界突破のザビーダ様だ。ザビーダ、えい、大騒ぎすぎる。問題ない、かっこ撃破よ。 Oh, donc c'est peut-être lui, hein. Et si c'était lui, si c'était Silva, le dragon. Le dragon qu'on voyait. Enfin, qu'on affrontait, justement. Enfin, le dragon zombie qu'on affrontait. Oula. Ah si, c'est carrément lui, je pense. Je suis pas de la même manière que Izen aussi, quand il est en dragon. Oh mais si, c'est carrément lui. Oula. Ah mais si, c'est lui, hein. Ah si, c'est carrément lui.
Ah. Mais je pense que c'est lui. Oula. Oula, heureusement que j'ai évité ça, moi. Mais d'accord, j'ai pourtant reculé. Allez. Ah oui, quand même, les dégâts que tu fais. Oh oh. Alors.回復してるぞ。一気に押し切らないと勝てんな。だから苦しむと言ったのに。ザビーだ。僕がカノヌシを防ぐ。みんなはドラゴンを追い詰めて。 一人でなんて無茶です。せめて私も一緒に。これは命令じゃないよ。僕の作戦。任せるわよ、フィ。随分格好つけるね。僕の一部のくせに。僕は精霊ライフセット。 僕は僕だよ。手加減はなしだ。さっきはそれで手こずっちゃったからね。こっちもお出ましよ。これじゃ状況は変わりません。変わるわ。あの子は変えようとしている。賭けだな。 俺もだ。お主は恨みしかできんのか。なら逆に張れ。断る。ここは大穴狙いじゃ。あ、マス。マス。Oula, Nightfist affronte. Affronte. Innominate. Ah, punaise. Voilà. D'accord, ça, il a réussi quand même à me toucher. Alors ça c'est bon. Oula là. Ça va être compliqué ce combat. Maoh,
Alors. ここだ。暗い。クライ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 。ク
Ouh là là, ce combat est assez compliqué. Mince, pourquoi je fais ça moi? Oh mais... Alors je vais quand même me soigner et après je vais soigner le clou. Alors Lokuro, tu te soignes s'il te plaît. Oula. Oula. Oula là, ça c'était pas bon ça. C'était une mauvaise stratégie ce que j'ai fait. Hein? Alors... Alors... Oula. Oh oh, ça j'aime pas ça. Oh oh. Alors, ça c'est très très mauvais. Et dès qu'Eleonore tombe. Voilà, il est à terre, il va se calmer, je me soigne. Oula. On a combien de pourcents? Ah oui, quand même. Alors, il y a un truc que je vais vérifier.
Oh 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 oh. Je me disais aussi. Et commence pas. Je vais aller récupérer ça. C'est moi hein, qui visais. Non. Hop. Ah mince. また回復するぞ。させない。偉そうなこと言って自分を守るだけで精一杯じゃないか。素直に謝ったら痛くないように食べてあげるけど。 謝るもんか。ベルベットの気持ちもわからない。お前なんかに。君はわかるっていうの。僕のお姉ちゃんだ。知ってるよ。けど教えない。別にいい。食べちゃえば一つになれるんだから。マシン。 お前のじゃない。ベルベットはベルベットだ。僕のかけらのくせに。みんな、かわせ。しまった。 相打ちを狙ったのね。先に言え。全打ちになるとこじゃったわ。よくも、やったな。代わりにお前をドラゴンにしてやる。レセット。なんだこれ。汚れを焼いた。 行くぞ、急げ。逃げられたな。白銀の炎。あいつ変な術を使った。 食らった汚れを消化するお前の力だろ。欠片だが、あれも聖種の一部だからな。ドラゴンの攻撃で一瞬だけ押し込まれたせいだよ。じゃなきゃ欠片の力なんかに負けないよ。分かっていればいい。二度は通じぬ奇策だ。所詮精霊は聖種の霊属物だ。 油断さえしなければ我々の理想は揺るがない。ほぼ覚醒したカノヌシの領域には治水火風の四聖種が揃いでもしなければ対抗できん。
だが今彼らは地脈の底で眠っているのだからな。追いかけるよ。待て。我らは御座で沈めの儀式の準備をせねばならん。奴らはこいつに追わせる。ゴーマでしょ？使えるの？確かに制御は難儀だ。ゴーマに落とした時も七昼夜も現実に耐えおった。しかも未だに本能的に抵抗しおる。だがかつて最強と呼ばれた海賊、戦闘力は我ら特等にも引けを取らん。クーマ・ベルベットを捕らえよ。生きてさえいれば状態は問わん。いや、まずは。まずあいつを、ライフィセットを殺すんだ。お姉ちゃんの目の前で。お姉ちゃんを支えてるのはあいつだから。本当だ。ゴーマのくせに変な埃が残ってる。そんな無意味なものは僕が食べてあげる。いやあ、いい修行になったが、カムイと聖主とドラゴンとぶつかって生き残るなんて奇跡だな。フィーのおかげよ。まだ眠っています。力も気力も振り絞ったのでしょうね。汚れを焼く炎、とんでもない力を持っておるの。この子がカノヌシの一部だから。じゃろうな。最高の切り札じゃが、同時に何でもいいが儲け損ねたわい。賭けはわしが勝つはずじゃったのに。どうでもいいでしょ、百ガルドくらい。ちーっともよくない。百ガルドを笑う者は千ガルドで大爆笑。この恨みは深いぞよ。で、次はどうするんだ？変わらないわ。カノヌシを封じてアルトリウスを撃つ。カノヌシが覚醒したということは、封印する方法もあるはずよ。やはり手がかりはグリモワールの古文書ですね。ベンウィックたちと合流しましょう。いいのね？正解かどうかは分かりません。でもアルトリウス様が必要とする犠牲を仕方ないと済ませることもできない。だから自分の心に従って戦います。たとえ間違っても後悔しないように。とことん面倒くさい性格ね。あなたに言われるのは心外です。アイゼン、ベンウィックたちへのつなぎを頼む。やはりあのゴーマは。アイゼン、まずは休息をすべきだ。かなりの連戦だったからな。じゃの、ボーもザビーダも大きいしの。今日は宿で休みましょう。エレノア、ライフセットをお願い。あなたが背負ってあげたら。ライフセットはあなたのために。お願い。わかりました。おぶってやればいいのに。釣れないやつだな。逆ですよ。Je, pendant la cinématique, je me posais des questions sur le pouvoir qui a purifié la malveillance de la ficette, et ça ressemblait beaucoup à celui de Layla. Au pouvoir que. Enfin, au pacte qu'elle avait passé entre guillemets avec Maotelas. Donc, est-ce que c'est ça? Ah, on verra. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc, mon hypothèse. Enfin, mon hypothèse.
Enfin, ce que je pressens à l'heure actuelle, c'est que Life is Set est potentiellement... Et potentiellement Nautilus. Donc ça veut dire que on va connaître on va savoir pourquoi il s'est transformé en dragon pour devenir Nautilus. On s'en fout un peu hein. Je vais voir c'était qui sur Titania. Diable. Ok. Ah mais il y en avait un autre. Il est où? Ah il est pas encore apparu. Celui de l'île maudite. Ok. Alors, bâton du prêtre, un bâton secret originaire du continent d'Alban. On raconte qu'il détient le pouvoir de transcender le temps et l'espace. Ah, ça c'est le premier. C'est le tout premier Tales of Phantasia. Péninsule Zwardien. Quitter. J'avais pas fait attention. Quoi? Ah, il faut que je sois 19. D'accord. Donc je pense qu'on va se quitter avec avec le trésor hein. Ah ben c'était lui qui manquait au milieu. Après je sais pas il manque quoi, il manque peut-être un truc mais... Ah si, oui entre les deux. Donc il manque peut-être le dernier. C'est peut-être le dernier. Je dis ça mais je suis pas sûr. Donc on va se quitter en lisant le petit descriptif derrière ce bâton. Transcender le temps et l'espace. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra voyager dans le passé et dans le futur? Génial, on pourrait retourner dans le passé et je ne retournerai pas dans le passé même si je le pouvais. Même si on pouvait annuler les actions du passé, l'âme de celui qui agit restera la même. Ça ne changera pas qui je suis ni qui il est. Et le futur alors? Je ne suis pas pressé de savoir ce qui va se passer. Non, je dois accepter qui je suis et le présent que j'ai créé. Ça prouve à quel point tu es déterminé, Velvet. Ok. Juste avant... Oui, mais je peux pas quitter. Ah non, je suis obligé d'aller à l'auberge. Bon, non, c'est... Magiru, omae...賭けに勝てなくてよかったな。負けて喜ぶ魔女がどこにおる。わしが負けたのは主らがベルベットを甘やかすからじゃぞ。そうか。別に何もしてないけどな。俺たちはな。何もせんでも優しさなんじゃ。ゆせっかく開いたベルベットの傷口に塩やら砂糖やらすり込まぬとは甘すぎるわ。 賭けの損失は主らに払ってもらうからの。なら俺たちを混ぜて賭けの続きをしてみるか。ほう、面白いな。俺はベルベットが折れる方に1万ガルド。ほうほう。俺も折れる方に1万ガルド。ほうほう。てこらー！わしがベルベットが折れる方に賭けたいのを知っとるじゃろうが。それは早いもの勝ちだ。 賭けるのをやめてもいいぞ。いやいや、賭けから逃げたとあっては勝負師紛るのだが号泣するわい。仕方がないから乗ってやるわ。わしはベルベットの心が折れぬ方に10万ガルドじゃ。なぜ笑う。いや、お前って素直じゃないけど案外可愛いところがあるよな。 じゃと。魔女に対してなんという褒め言葉を。不名誉毀損じゃ。主らがかけた2万ガルドは賠償として没収じゃ。 Ah là là, Magiru. Donc je disais que avant de se quitter, je vais juste faire quelques petites emplettes.
Et je veux revenir sur un petit point que j'avais oublié de mentionner à l'épisode 65, au moment de la cinématique, avant d'affronter Melchior. Magilu a dit qu'elle s'appelait Maivin, et Maivin, c'est en référence au compteur du temps. Donc ça veut dire que Magilu est la compteuse du temps de cette époque avant de laisser sa place aux autres Maivin. Enfin, on sait pas il y a eu combien de Maivin entre Berzeria et Zestiria. Donc on se doute qu'il y en a eu. Enfin, il y en a. On sait qu'il y en a. Il y a Magilu, mais on ne sait pas combien de générations de Maivin il y a entre Magilu et Maivin de Zestiria. Je dirais une bonne centaine, mais je ne suis pas sûr. Mais Melchior, je connais beaucoup de choses aussi, j'ai l'impression. Est-ce que ce serait pas aussi un Maivin? Parce qu'il a l'air de connaître beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est là qu'on s'arrête pour cet épisode de Tales of Berzeria. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Twitter. Et au prochain épisode, on va se reposer à l'auberge de Carnix avant de reprendre la route pour la bataille finale. Puisque là, je pense qu'on est clairement rentré dans la dernière partie du jeu, qui est le combat final. Enfin, on est encore loin, mais on va dire la dernière partie du jeu, c'est vraiment la partie du jeu où on va, où tout va s'accélérer, mais vraiment tout. Encore plus que quand on avait fini, quand on avait récupéré Ortrus. Donc, c'était Suzaku d'Argus Phoenix. Je vous dis, portez-vous bien et Janemina.